Bon, en même temps, tous les... C'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Vas-y, continue ta phrase, Shiro. Salut tout le monde, et tous les... Bah, d'un coup, en fait, tu t'en fous, puisque tous les ennemis one-shot. Oui. C'est génial. Celui qui a fini ce jeu dans ce mode-là, il mérite une putain de médaille. Mais y'a un mec qui l'a fait. Oui, bah tu m'étonnes, un asiatique, je parie. Non, même pas. Un français. Ah, d'accord. C'est un mode qui a été fait par un américain et c'est un français qui a eu le record du speedrun sur ce jeu, sur ce truc. Ah bon, je pense qu'il passe juste au travers des ennemis, quoi. Non, il les tue. Mais il y a un glitch à exploiter sur ce mode, en fait, c'est que les ennemis normaux, enfin ceux qui sont normalement des ennemis normaux, ils prennent autant de dégâts que les ennemis standards, quoi. Ah ouais. Mais ce sont des docteurs Salvador. À toutes les unités, il rapporte plus. Oh mon dieu, vous êtes sérieux? J'ai droit aux IEM? C'est incroyable! Pourquoi la partie précédente, tu pouvais pas avoir d'IEM? Ça fait un moment que tu me refuses des IEM. Eh, hey, tu veux. Tiens, regarde, tu vois, ça c'est l'item du jeu. Ouais. Ah, mais c'est pas. Ah bah non, hein, ça serait con. Tu vas t'émerder avec les rires, c'est oui, et puis on peut en parler aussi, hein, du jeu qui a eu la bonne idée de mettre certaines fonctions sur la flèche du haut, alors que tu utilises le pad pour tourner, donc comme le pad de Xbox 360 est dégueulasse, hein, bah les trois quarts du temps, t'appuies sur la flèche du haut sans le vouloir. Mais... Oui non mais vous voulez que j'arrête tout ça sérieusement? Mais je suis seul. Ils sont où les collègues pour m'aider là? T'imagines c'était pareil dans la vraie vie? Il y a 7 voitures qui sont en train de faire les connes sur l'autoroute. T'envoies un seul flic. Ah tiens, j'imagine trop. C'est surtout, j'imagine trop le mec après qui fait rentrer de mission. Mais il vous fout, c'est quoi? Ah, d'accord. Bon bah alors, c'est clair. Oh putain! Mais ça aussi, c'est débile! Depuis quand des mecs qui ont des bagnoles de sport ont des hers qui peuvent lâcher? Ouais. Une R, c'est pas censé être un truc que seuls les flics peuvent avoir? Oui, mais visiblement il y a une société qui s'est dit tiens, on va vendre des R, ça des suspects. 10-50 entre le pilote et le barrage routier, tout le monde sur place. À toutes les unités, le barrage a été forcé. Voilà, j'ai encore 5 arrestations à faire, 5. Tout seul, hein. Après 6, sinon c'est pas drôle. Voilà. Bon, par contre, les R, c'est un des objets les plus efficaces du jeu pour arrêter un mec. Mais voilà, ils vont réussir à viser derrière toi. Et ça, c'est de la chance. C'est difficile. C'est de la chance. C'est de la chance. Quand tu touches avec une R, c'est de la chance. Les trois quarts du temps, j'en balance une au pif et il y a un connard qui roule dessus. Genre là. Non, même pas. Je répète, déploiement d'une R. Bon, un truc bien quand même que je reconnais au jeu, les suspects se font des dégâts entre eux. Hein. Oui, comme sur, comme quand t'es un, allez, un suspect justement. Ouais. C'est pas genre juste toi, ils se battent vraiment les mecs. Oui, non, mais alors il y a un truc que j'ai remarqué sur certaines épreuves, plus tu avances, plus les flics en ont rien à foutre des concurrents, hein, c'est... Ah, ils s'en branlent! T'as genre 5 bagnoles de flics au cul, puis les concurrents qui sont encore plus en train de faire les cons sur la route, alors eux... Non, pas grave, on branle. Eux, ils sont pas importants. Le suspect a largué une R, soyez prudents.
Les mecs, ils ont des brouilleurs, des Hertz, des IEM, mais t'appelles l'armée à ce moment-là, hein, t'appelles pas les flics. Oui, tu fais un barrage avec deux tanks. Et voilà. Sur les mecs, ils tranquilles là. Hein. Ouais, ouais. On dépose nos bagnoles, on dépose les clés, on se met à genoux. Non, et puis c'est surtout, merde, ce que je comprends pas avec les barrages de flics, c'est que les mecs, ils te laissent bien les bords de la route libre. Ça, histoire de laisser une chance aux suspects de passer, je suppose. Oui, ou alors un trou en plein milieu du barrage. Ouais. Ce serait dommage de les arrêter quand même. Hein. Voilà, au revoir, tu me fous pas une Hertz dans le cul, connard. Enfin, un IEM dans le cul. Ouais, je suis admis, mais si je veux avoir les autres épreuves qui se débloquent, faut que j'aille l'or, donc que j'arrête tout le monde. Ah, et ai-je oublié de préciser que tous les suspects roulent automatiquement plus vite que toi, donc si t'es comme moi et que t'as quasiment plus d'armes pour les arrêter, et bah... T'es un peu baisé. Voilà. C'est-à-dire que j'étais en plein boost, le mec il m'a foutu dans le vent, hein, sans boost. Dépasse-moi s'il te plaît, connard. Dépasse-moi s'il te plaît, connard, que je te foute un IEM dans le cul. Ah, il y a le bot qui fait n'importe quoi, il joue à Sangoku Nadeko. Voilà, et là il me reste 0,9 miles pour arrêter le dernier, c'est impossible, je ne l'aurai pas. Ouais, bon, recommencer. En fait, les dernières épreuves où tu dois arrêter 5 ou 6 suspects en hypercar, c'est de la chance. C'est de la chance, y'a aucun skill là-dedans. C'est juste, tu pries juste pour qu'ils se prennent des murs et que leur barre de vie descende. C'est pas autre chose. Et là, je sais pas pourquoi sur cette épreuve, je peux absolument pas passer la petite cinématique d'intro de merde où tu vois ton personnage qui est au bord de la route et qui démarre pour les arrêter. Sérieusement, à chaque fois que je joue à ce jeu, ça finit par m'énerver, ma race, j'ai juste envie d'arriver au bout. Et de plus jamais y toucher de ma vie. Ouais, mais la voiture elle va pas rouler longtemps, à force que je lui crève les pneus. Mais déjà, tu lui crèves les 4 pneus, normalement elle est censée rouler. Oui, non, mais elle redémarre tout de suite. Hein. Au bout d'un certain temps, ça va arriver sur le fait, quand ça va arriver sur le fait, ça va devenir juste injouable. Voilà. Non, parce que j'ai déjà vu hein, des vidéos de vrais mecs qui essayaient de rouler alors que c'était pris une Hertz, hein, ça va. Ça passe pas. IEM activé, mission et verrouillage de la prise. Voilà, ton IEM, tu te l'as pris dans le cul, connard. C'est l'anniversaire du fichier aujourd'hui. Je fais le gros bâtard depuis tout à l'heure avec les suspects, je leur passe devant, je leur pose des Hertz sous les roues. Je suis un putain de bâtard depuis tout à l'heure, là. Voilà, là je suis à vitesse maxi, c'est-à-dire que ma voiture ne peut pas aller plus vite, je n'arrive pas à rattraper les suspects devant moi. Te rends compte de ça? Putain, 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 putain! Mais, putain! Ouh, le jeu qui revient sur Windows, là, sans rien dire! Bien sûr, ça met pas le jeu en pause, hein! Le suspect a reçu un avertissement. Le suspect a reçu un avertissement? Non, il est mort, vu comment je lui ai rentré dans le cul. Voilà. Bon, bah là, je suis en train d'y arriver. Étrangement. Effection d'un signal de verrouillage IEM. Essayez de lui échapper. La Hertz n'a pas pu ralentir le suspect. Oui, bien sûr. Alors, tu noteras que les suspects, quand tu leur mets un IEM au cul, eh ben... Bon, ils ont des brouilleurs pour s'en sortir. Toi, tu n'as rien. Tu te prends un IEM. Tout ce que tu peux espérer... Tout ce que tu peux espérer, c'est freiner comme un dingue pour espérer que le suspect te dépasse et qu'il n'arrive pas à te choper.
ce qui te fait perdre masse de temps. Oui, puisque tu dois redémarrer comme un taré. On va déployer un barrage devant vous. Bon, il me reste 3 arrestations à faire. Et il y a encore 8,9 miles de course. Ça va. Le barrage signale un 10-50, tout le monde sur place. Oui, le barrage, ça aussi, j'adore. Le barrage signale un 10-50, tout le monde sur place. Je suis pas flic, explique-moi ce que c'est. Bordel, je sais pas ce que c'est un 10-50, moi. Pour intervenir, on attend ses ordres. Ok, d'accord, j'ai arrêté un suspect par chance. Je venais d'envoyer un UEM, donc tu vois, ça te fait le truc où ça zoome sur la voiture pour te montrer l'UEM qui a marché. Et quand ça a repris le contrôle de ma voiture, je suis rentré dans un suspect qui est arrêté au milieu de la route. Voilà. Je vois pas, hein. Je répète, feu vert pour les IEM. Je répète, feu vert pour les IEM. Feu vert pour les IEM. Enfin, vraiment que je t'ai attendu pour les IEM. Oui, c'est clair. D'ailleurs, dans ce jeu-là, un truc que je dois reconnaître, c'est qu'on a enfin des barrages qui servent à quelque chose. Parce que dans les anciens jeux Need for Speed, c'était de la chance ultime quand ton barrage y fonctionnait. Les mecs, vous pourriez me dépasser, j'ai plus de R, ça balançait derrière moi. Voilà, merci de m'avoir dépassé. Maintenant, tu vas dans le décor, t'es gentil. Bon, ben voilà, apparemment, c'est mon hélico qui a arrêté le dernier suspect. Très bien. Voilà, là, donc, en 2 essais, faut savoir que cette course m'a pris 12 minutes à faire. Tu te rends compte à quel point c'est trop long pour une course? Un petit peu. Non, parce que, quand tu vois, parce que, tu sais, j'ai déjà fini le jeu une fois, donc j'ai encore mes anciens records, on est d'accord, hein? Mais quand je vois que le record est à 5 minutes 25, mais moi, ça me donne envie de me suicider quand je vois ça, hein? Ah, bah, ça y est, on m'a enfin donné un vrai grade, là, dans mon truc de policier. Je suis plus policier 3, je suis sergent. Bravo, vous pouvez participer à toutes les épreuves flics de Secret Country. Ouais, voilà, j'ai fini toutes les épreuves. Et c'est quoi le maximum? C'est 20, super flic. Super flic. Non mais c'est bon, tu me mets pas le générique, eh. J'ai encore les épreuves suspects à faire, connard. J'ai une Lamborghini Reventon. Waouh, ah, elle est sympa. Mais bon, il y a toujours pas la Diablo, donc... Pour moi, il y a que la Diablo qui compte, de toute façon. Non mais je veux dire, ils t'ont foutu la Lamborghini Diablo dans tous les Need for Speed, sauf celui-là. Pas de bol, ah. C'est celui que t'as, c'est ça? Ouais, exactement. McLaren F1, ça aussi, c'est bien. Bah d'ailleurs, la preuve, ils ont réussi à te foutre une bagnole de 1994. Qu'est-ce qui les empêchait de foutre la Diablo? Oh putain, un duel. Oh mon dieu. Les courses les plus chiantes du monde. Et après, t'as les contre-la-montre. Non, ça, c'est même pas chiant, en fait. Une fois que tu sais les faire, c'est bon. Mais les duels... C'est lent, c'est chiant, tu t'emmerdes, et en général ils te font bien des courses de 5 minutes sur les duels. Tu sais, parce que si c'était un duel sur une course de 2 miles, tu dis ouais, ça va, c'est vite passé, hein, voilà. Votre record personnel, 4 minutes 47,02. Voilà, hein. Oui, je vois, c'est sympa. Voilà, la course fait 12,4 miles. C'est un petit peu les courses les plus longues du monde. Ah, le fait que tu joues pas. Tu joues pas au volant? Non. C'est injouable. Ah bon? Complètement. T'as beaucoup plus de reprises avec une manette qu'avec le volant, hein, j'ai essayé. Ok. Non mais je sais pas, j'ai jamais vraiment joué au volant. Non mais ce jeu il est prévu pour une manette de toute façon, hein. Il a été pensé et étudié pour être joué avec une manette. A l'inverse par exemple de Euro Truck Simulator 2 qui lui a été pensé pour se jouer avec un volant. C'est d'ailleurs pour ça que dès que tu joues avec un volant à Euro Truck Simulator 2, ça change ta vie. Hein. Regarde des renards. Hein.
trouvait le jeu pourri tant qu'il jouait au clavier, dès qu'il a commencé à jouer au volant, oh mon dieu! L'illumination. Bon, après, il a pris un volant sport, course, j'ai pas compris, mais... Bon, moi, je te dirais, je joue bien avec un volant PS2. Hein. Ben oui. On joue avec ce qu'on trouve. Bah ouais, je trouve la déchetterie, ça marche. Ah ouais, et d'ailleurs, dès que t'as fini ce jeu, il y a un autre truc et une autre idée complètement débile qu'ils ont mise. C'est que, tu sais, toutes les routes sont interconnectées. Hein. Oui. Donc une fois que t'as fini le jeu, en fait, tu peux rouler comme tu veux sur les routes sans aucun but précis et il n'y a même pas les flics. Mm-hmm. Donc voilà. Bah c'est sympa quoi, c'est un mode libre. Oui, non mais c'est chiant. Ah oui. Et tu veux faire quoi? Il n'y a pas les flics, je veux dire, le but du jeu c'est quand même les flics quoi. T'as envie de te faire poursuivre. Ouais. C'est un Need for Speed, bordel de merde, donnez-moi des flics qui me poursuivent, ou alors laissez-moi arrêter des suspects qui se baladeraient sur la route. D'ailleurs, le jeu qui m'avait le plus déçu de la part de Criterion, je crois que c'était Burnout Paradise. Putain, ce qu'on s'emmerde sur ce jeu. Oui, complètement. Je sais que Sidefact l'avait plutôt aimé, mais moi j'étais en mode, mais non, Burnout Paradise, c'est... enfin Burnout, c'est pas ça. Hein. Non, Burnout, il disait que ouais, c'était sympa, mais comparé à Need for Speed et quoi que ce soit, bah, c'est pas passable. Bon, on va faire une petite pause, les gens. Alors, les gens, oui, j'allais pas vous faire supporter l'aspirateur non plus. Heureux. Et bonjour Drago qui vient d'arriver. Salut Drago. Putain, ce que c'est chiant les duels, je m'emmerde, le mec il est tout le temps derrière moi, il offre aucun challenge. À part sur la fin où les développeurs ont dit ouais, juste avant la ligne d'arrivée, on va lui foutre un gros turbo, comme ça il a des chances de battre le joueur il est obligé de recommencer. LOL. Alors que ce connard a pas été foutu de faire une chose que le dépasser pendant tout le long. Voilà. Ah, il l'a fait une fois, hein, mais c'est juste parce que j'ai fait un peu le con et j'ai tapé un mur. Oui, parce que dans ce jeu, il faut savoir une chose, tu tapes un mur, le concurrent peut être à 10 km derrière toi, il va te dépasser. Hein. C'est un script qui est dans le jeu. C'est sympa. C'est-à-dire que normalement, quand tu vois le jeu qui te dit vous avez 12,4 secondes d'avance sur le deuxième, hein, ouais, ça passe, hein, en vrai, mais là, non. Là, il a fait un slash TP, du coup, voilà. Ah non, non, tu le vois arriver derrière toi, mais il est genre à 10 000 km/h, c'est pas possible d'aller aussi vite, je te jure. Là, ouais, tu vois, je viens de légèrement taper un mur dans un raccourci, le mec il m'a dépassé, mais net, direct, hein. Parce que j'ai perdu 5 km/h, waouh. Ah oui, et les ennemis qui prennent les raccourcis aussi, ça devrait être interdit. Ah. Les raccourcis, c'est pour le joueur, pas pour l'IA. Alors oui, peut-être que je parle comme un gros casu en disant ça, mais rien à foutre, j'assume. Hein. Dégage, dégage, dégage. Je sais que j'ai tapé un mur, mais je suis à 1,6 km de l'arrivée. Tu me dépasses maintenant, j'ai perdu, j'ai pas envie de la refaire. Et merde. Quoi, t'as perdu? Non. Je me suis pris un civil, mais il s'était pris aussi, du coup, donc... Allez, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai pas envie de me refaire ce duel de merde, oui. Putain. Voilà, 4 minutes 41 et 49 pour faire une course, quoi. Putain de merde. Ouais, la difficulté n'est pas trop longue. C'est long. C'est long, c'est chiant. Personne a envie de faire ça. Nouvelle voiture, ouais, deux chevaux, je suis sûr, non, Mercedes-Benz, ouais. Ils sont tellement doués pour tuer de la merde. La Mercedes-Benz AMG SL65 AMG Black Series, ouais, je connais même pas. Bon, du coup, j'ai une course ensuite, allez, on va finir sur une course. Avec des voitures de merde, hein, évidemment, parce que sinon, on me donnait surtout pas les supercars que j'ai pas arrêté de débloquer, hein. Ça aussi, on débloque des voitures, mais attention, sur certaines courses, ben, y en a certaines qui sont de toute façon bloquées. Ok, ça va à quoi que je débloque des voitures, donc? Rien. Je veux dire, prends Burnout 3, tu débloques une voiture, tu peux la jouer dans n'importe quelle course. Putain, c'est aussi Criterion qui a fait Burnout 3, ou alors on m'aurait menti.
Bon, au moins c'est une course sans les flics, on va dire. C'est pas plus mal. Bon, après, l'inconvénient des courses sans les flics, bah, c'est qu'elles sont chiantes. Ah. C'est juste un bête jeu de course. C'est-à-dire, sans faveur. Ce qui fait la force des Need for Speed, c'est les courses poursuites avec les flics, ou le tuning, ou le mode histoire. Parce que oui, il y a eu un Need for Speed avec un mode histoire. Oui, c'est le Underground 2. Voilà. Mais juste une simple course, il a quoi pour se démarquer le jeu, hein, des autres jeux mieux faits? Bon, ok, il a de la musique qui déchire pas mal, mais bon, ça, à part me faire des copyright strikes sur YouTube... Ça aussi, c'est la manie d'Electronic Arts de toujours foutre des musiques sous copyright de partout dans leurs jeux. Mais c'est passé quoi? Oula. Oula. Mais c'est quoi ce merdier? Ah mais sérieux, attends. Il m'a changé le périphérique de lecture par défaut. Mais what? Non, on vous entend plus sur OBS, mais... Putain de merde, allez vous faire foutre! C'est vrai, il a dit non. Ceux-là, on les entend pas, c'est des connards. Ouais, c'est bon, là. Arrêtez de faire chier. Chier, chier, chier. Waouh! Celui-là, il s'est pris un coup dans la gueule. Ça, il y a un de mes concurrents, je l'ai vu voler, là. Bon, ça aussi, c'est un autre truc qui est bien, c'est que les concurrents sont absolument pas parfaits, hein. Ils se prennent des civils et tout, mais c'est beaucoup trop rare. Je veux dire, là où toi, tu tapes dans tous les murs au virage, même si t'essaies de les prendre en drift, eux, ça va, hein. En fait, toi, t'as le kéké des plages qui essaie de faire la course contre des pilotes de Formule 1, hein. What? Mais putain, il était impossible à dépasser. Il y avait un civil à droite et un mur à gauche. Tu veux que je fasse quoi? C'était soit je me prenais le civil, soit je me prenais le mur. Mais va te faire foutre le jeu aussi là. Putain, puis me faire faire un accident à 1 miles de l'arrivée. Voilà, j'ai perdu. C'est bon, t'es content? Ta durée de vie, elle est assez haute là. La durée de vie d'un jeu qui compte sur le fait que le joueur y perde pour recommencer la même épreuve. Non mais j'ai connu Criterion mieux que ça, hein, sérieusement. Ah non mais va chier, Vérotologue, c'est bon, j'ai eu ma dose. Allez, au revoir, ce jeu m'a foutu de mauvaise humeur comme d'habitude. Et vous savez quoi, en fait, ce jeu, je l'encule. Ce jeu, il n'y en aura plus de vidéos, parce que tout ce qu'il y a, c'est des courses sans saveur. Une IA complètement pourrie qui, bizarrement, sur les 8 derniers miles, sur les 0,8 derniers miles de la course, elle arrive à te dépasser, va comprendre pourquoi. Des challenges qui sont pas du tout justes. Ce jeu est une merde. C'est un concombre dans ton cul, ce jeu. C'est pas autre chose. Voilà, alors fuck ce jeu, merde. C'était la dernière vidéo sur Haute Poursuite de mes deux couilles. Voilà, je suis enfin libre, allez, ciao. Je pense que l'œuf a été injecté dans un vie avant vous, ces heures sont comptées. Welcome! Oui, t'as des objets rares étrangers, je sais. Les munitions de McDonald's, j'en ai rien à foutre.